Asseyez-vous. Excusez-moi. Et attendez votre tour. Moi, je passe la première, bien sûr. J'ai pas beaucoup de temps, moi, j'ai deux castings après. Bon. Les chanteurs passent en premier. Ah, c'est pas nouvelle. Les danseurs peuvent se chauffer, on les recevra après. Veuillez vous préparer en silence. Déjà 2 semaines d'audition. Comment veux-tu que je montre mon spectacle si tu ne me présentes que des nuls? Tout le monde n'a pas ton expérience. Donne-leur au moins une chance de commencer. Écoute, Margot, je veux bien leur transmettre mes acquis si je perçois une lueur d'espoir, qu'ils puissent continuer après et si ça en vaut la peine. C'est trop dur, Alice. C'est à Paris que tout a commencé pour moi. C'est à Paris, ce Paris enchanté, que tout doit continuer. Et ma mission, puisque je l'ai acceptée, c'est de préserver l'enchantement. Eh ben, c'est pas demain qu'on va remplir. Si elle commence comme ça, on n'est pas prêt de remplacer l'Olympia. Enfin. C'est ici l'audition? Entrez. C'est par là. T'as vu cette allure? Elle est pas prête de devenir star, celle-là. C'est pas des stars qu'on cherche, Madame Régine. C'est des artistes. Entrez. Je me présente. Je m'appelle Cécile Pion. Je suis chanteuse. C'est bien. Assieds-toi et attends avec les autres. T'as des photos? Allez, va t'asseoir, la gosse. Prépare tes photos, va t'asseoir. Suivante. Bonjour. Je viens pour le premier rôle. C'est Madame de la Palmue d'Épinos Agalias qui m'envoie. Je voudrais voir la directrice. Je voudrais voir la directrice. Va t'asseoir et attends avec les autres. Mais voilà! Vous êtes rentrés dans l'univers feutré du cabaret. D'Alice Vanda. Paname, on t'a chanté sur tous les tons. Y'a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de quoi donc. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname. Le soleil a mis son pyjama, toi tu t'allumes dans tes bas, y'a monsieur aussi. Les acteurs sont prêts à tout pour réussir et se perdre. Oh. Bonjour, je suis Victor Pou. Je vous présente une des plus grandes cantatrices de notre temps. Misora Ayako, une des plus grandes cantatrices de notre temps. Elle est ravie de vous rencontrer. Qu'elle se prépare. Mais elle est prête. Et bien. Oui. Et bien qu'on l'écoute. Donnez vos partitions à l'orchestre. Oui. Attendez, ne quittez pas. Mais nous n'avons pas besoin d'orchestre. Mais je rêve. Oui. Je ne suis pas parisienne. Merci. Je crois que ça ne correspond pas tout à fait à ce que je recherche. Mais c'est tout à fait... Non, pas du tout, ce n'est pas du tout ça. Merci. Personne suivante. Ah. Elle nous fait quoi, elle? Alors c'est Gwendoline Attakaï dans... Un texte d'Apollinaire. Sous le pont Mirabeau.
après la peine, sous le pont Mirabeau de la Seine. Je continue ou je continue pas? Enchaîne. On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un frais visage, la Seine, un marchand de marron, une chambre au cinquième étage, les cafés crèmes du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs, les quartiers latins, les tuiles, la place Vendôme, Paris. Parce que vous savez. Bon, allez, viens, sois déjà contente de rester. Donne-moi tes photos. À vous. Clara, Clara, il faut commencer les répétitions au plus tôt. J'aimerais voir le premier numéro. Bon, je le voir un jour. Talent, mademoiselle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Arthur Zigor, producteur. Elle est prise, vous voyez? Eh bien, je la libère et je l'emmène. J'ai une carrière à lui offrir. Je vous dis... Mais ça m'intéresse. T'as signé un contrat, ma fille. Je peux rompre. Sinon, je ne chante pas.